Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Je suis Dorian, le chef de l'hôtel Warwick Champs-Élysées, à Paris, dans le 8e arrondissement. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette à base d'avoine, un produit 100% naturel, une verrine d'ananas et son crumble d'avoine. L'avoine va apporter toutes les qualités nutritionnelles, notamment aider à réguler votre cholestérol. Pour cette recette, il vous faut un ananas, du coulis d'ananas. Pour réaliser un coulis d'ananas, c'est très simple. Il vous faut de l'ananas, de l'eau, du sucre, laisser compoter, mixer et c'est prêt. Du fromage blanc, une gousse de vanille. Pour réaliser votre crumble d'avoine, de la farine, du sucre, du beurre et des flocons d'avoine. Pour les personnes soucieuses de leur cholestérol, vous pouvez également remplacer le beurre par de la margarine. Pour démarrer, il vous faut un ananas. Nous allons le tailler en fines brunoises. La brunoise, en termes culinaires, veut dire petit dé. Coupez-le en fines tranches régulières, ensuite en bâtonnet, pour enfin le tailler en petits dés. Après avoir taillé notre ananas en brunoise, nous allons ensuite le cuire. Prenez votre casserole, versez votre brunoise d'ananas, incisez votre gousse de vanille afin de récupérer toutes les graines. Faites compoter maintenant votre brunoise d'ananas avec sa gousse de vanille doucement sur votre feu. Nous allons maintenant préparer notre appareil à crumble. Mettez votre beurre, la farine, le sucre, mélangez. Une fois que votre mélange est bien sableux, incorporez vos flocons d'avoine. Les flocons d'avoine vont apporter à cette recette un croustillant et une qualité nutritive exceptionnelle grâce à sa richesse en fibres. Mélangez l'ensemble avec les flocons d'avoine. Une fois votre appareil à crumble à l'avoine réalisé, disposez-le dans un plat au four. Nous allons le cuire 3 minutes, 180 degrés, position grill, afin de le faire colorer. Maintenant que votre compotée d'ananas est cuite, ainsi que vos crumbles, nous allons pouvoir dresser. Versez un fond de compotée. Ajoutez votre fromage blanc, le coulis d'ananas, et enfin notre crumble qui va apporter à cette recette tout le croustillant et toutes les qualités gustatives et nutritionnelles. Et voilà, votre verrine légère d'ananas et crumble d'avoine est terminée. Vous pouvez également la retrouver en petite verrine pour accompagner votre café. Je vous souhaite un bon appétit.